Sœur Mai. Ah, vous revoilà. Merci d'avoir accepté de trouver ce régulateur de pompe. Vous voulez jeter un œil à notre stock? J'ai enfin récupéré le régulateur de l'usine Vimpop. C'est vrai? Ouais, fantastique. Le régulateur devrait parfaitement s'insérer dans l'appareil en bas. Et mon système de contournement des filtres devrait faire le reste. Sauf erreur de ma part, ces arches devraient bientôt vaporiser de l'eau irradiée à point pour tous les enfants d'atomes. Et comme je n'y serais pas arrivée sans votre aide, je me disais que vous méritiez de baptiser ce petit bijou. Vous voulez brancher la dernière pièce? Vous voulez bien l'allumer? Donc, vous vous êtes contenté de contourner les filtres de décontamination? Vous simplifiez énormément, mais oui, en gros, c'est ça. J'ai dû bidouiller un peu pour que mon bricolage tienne. Mais du moment que ça fonctionne, les radiations devraient continuer d'affluer. Vous êtes d'accord pour finir le travail? J'ai pris énormément de risques pour vous rapporter ce truc. Je crois bien avoir mérité quelques capsules. Ça me semble honnête. Je peux vous en donner, disons, 150. Si vous aviez vu cet endroit, vous auriez honte de me proposer si peu. Il y avait des mutants du sol au plafond. Mince, carrément? Bon, d'accord. Va pour 250. Bien sûr, pas de problème. Excellent. La pompe est dans la baie. Ça devrait être simple comme bonjour. Tenez, au fait, pour ce que vous avez fait. A commis son dernier péché contre les enfants d'Atom. L'heure du jugement est arrivée. Puisque vous êtes là, j'imagine que la question de l'hérétique est réglée. Oui, merci. Je suis sûr. Je pourrai toujours passer. Il y avait de radiation qui s'entraîne dans le coin.
te plaît, s'il te plaît. Délivre-moi. S'il vous plaît, laissez-moi juste un... Ce rayonnement... Qui êtes-vous? Comment, frère Devin? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis désolé, votre radiance. C'est Atom qui vous envoie, n'est-ce pas? Vous êtes enfin là! J'ai fait ce qu'Atom m'a ordonné. J'ai attendu avec zèle que vous veniez me libérer de mes chaînes. Je vous en prie, accordez-moi la force d'Atom et délivrez-moi. Ce n'est pas à moi de vous libérer. Vous vous êtes affranchi seul de vos chaînes. Allez maintenant, vivez en homme libre. Je m'en suis libéré tout seul. Vous avez raison. Merci infiniment. Gloire à Atom. Je suis libre. J'arrive pas à le croire. Son messager. Atom tout-puissant, vous avez réussi. Tenez, chaque fois que je préparerai du remède, vous pourrez en avoir. Et si je peux faire autre chose pour vous, dites-le-moi. Pourquoi David vous importe-t-il autant ? Oui, c'est un bon gars. Enfin, il était peut-être un peu trop porté sur le jet, mais c'est pas non plus comme si c'était un pillard. Il avait juste besoin d'un coup de main. Et par chance, vous avez fini par arriver. C'en est presque à se demander si Atom y serait pas pour quelque chose, hein? Et sinon, vous vouliez autre chose? Vous m'avez dit que vous n'étiez pas immunisé contre les radiations. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre dans un endroit pareil? C'est toujours mieux que là d'où je viens. J'étais trappeur avant de rejoindre la famille. Je vivais dans le brouillard avec une bande de sales types. Ou plutôt, je survivais. Le genre d'endroit où vous dormez avec un couteau sous l'oreiller au cas où un de vos amis décide de vous voler. Et puis, un jour, pendant qu'on chassait, on est tombé sur le grand confesseur Tectus et ses ouailles qui faisaient un pèlerinage. On les a encerclés et on les a capturés. On pensait qu'on pourrait les échanger contre de la bouffe et des munitions. Je me suis retrouvé de garde. Et puis on s'est mis à causer, le grand confesseur et moi. Vous imaginez sans doute ce qui s'est passé ensuite. Vous avez trahi les trappeurs ? Ouais. Le grand confesseur a commencé à me décrire la vie que je pouvais avoir au noyau, avec Atom. 3 repas par jour, aucun risque de me faire bouffer dans mon sommeil. Les radiations étaient même pas bien pires. Et j'avais mon mélange pour gérer ça. Plutôt facile à prendre comme décision. J'ai aidé les enfants à régler leur compte aux trappeurs et ma nouvelle vie ici a commencé. Je peux faire autre chose pour vous ? Vous auriez encore de votre mélange ? Il m'en reste plus là, mais repassez dans 2 jours et je devrais en avoir. Il vous fallait autre chose ? J'ai besoin de rien pour le moment. D'accord. Faites attention à vous. Thank you.
qu'Atome vous garde. La station Waketak? Elle a dû dresser un campement pour se réfugier. En tout cas, la voie est toute tracée. Collectionner les cochonneries maintenant. Ah 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 ah
C'est fait. Les messages ont été diffusés. Je me rends bien compte que cela pourrait me coûter la vie. Je lisais un vieux livre d'avant-guerre quand je l'ai vu. Atome. Un petit grain de matière perdu dans une profondeur infinie. Le vaste néant qui est en chacun de nous. Cela n'a fait que confirmer ce que je ressentais déjà. La vérité que le confesseur voulait cacher. Atome n'est qu'un mensonge. Ça n'a rien de réel. Nous ne sommes pas des mondes infinis, mais des espaces vides, morts, glacés. Nous sommes le néant. Le confesseur sera furieux en voyant mes messages. Mais je n'ai pas peur. Je vais commencer à déménager certaines choses dans la vieille église, près de la voie d'accès à l'ouest. Au cas où il déciderait de se joindre à moi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'ils peuvent encore être sauvés des mensonges d'Atome. Gwyneth ? Stop ! Vous êtes sur un lieu sacré. Que faites-vous ici ? Êtes-vous en quête de la vérité du néant ? La vérité du néant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez bien ouvrir votre esprit à la vérité, je peux vous la révéler. Les enfants d'Atome ont été trompés par Martin, par Tectus. Leur croyance n'a aucune valeur. Elle n'a pas lieu d'être. Ce qu'ils essayent de vous cacher, c'est qu'Atome n'est qu'une poussière microscopique dans le vaste univers du néant. Le néant est la véritable nature de l'existence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un vide si gigantesque et si sombre, comme un ciel nocturne sans étoiles. Je sais que c'est difficile à accepter, mais vous n'avez pas d'autre choix. Personne n'a d'autre choix. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Vous avez vu une chose que vous ne compreniez pas et ça vous a terrorisé. Alors vous avez tourné le dos à Atome, à votre famille. Je sais ce que j'ai vu. C'est vrai, j'avais peur, mais pas pour moi-même. J'avais peur que mes frères et mes sœurs vivent un mensonge. C'est pour ça que je suis partie. Vous êtes toute seule ici, sans personne. Vos frères et vos sœurs du noyau ne vous manquent pas ? Ils étaient comme une famille pour vous. Bien sûr qu'ils me manquent terriblement. Je n'avais jamais été livrée à moi-même auparavant. S'il y avait la moindre chance qu'ils m'accueillent à nouveau parmi eux... Mais je suis une hérétique maintenant. Je ne mérite que la mort. Vous ne ferez pas de vieux os si vous restez ici. Vous devez quitter cette île pour toujours. Ce que vous dites a du sens. Si les enfants d'Atome sont incapables d'ouvrir les yeux... Je pourrais peut-être répandre la bonne parole ailleurs. Oui. La volonté du néant m'apparaît plus clairement maintenant. Je dois montrer la vérité à tous ceux qui veulent l'entendre, même si je dois aller à l'autre bout du monde. Vous devriez dire à Richter et à tous les autres que je suis morte. Je ne veux pas qu'ils essaient de me suivre. Merci de m'avoir ouvert les yeux et montré le chemin. Vous avez entendu ça ? La justice d'Atome doit être rendue. Sœur Gwyneth ne vous posera plus de problème. Elle a creusé sa propre tombe. Inutile de me donner les détails. Je préfère ne pas savoir. Je vous félicite. Vous avez prouvé votre dévotion. Et plus important encore, votre loyauté. Qu'Atome vous bénisse aujourd'hui, ma sœur. Alors, j'imagine qu'il y a une récompense. N'ayez crainte. Vos efforts seront récompensés en temps voulu. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas une arme comme les autres. C'est l'un de nos artefacts sacrés. Reprenez votre route. Et soyez sans pitié avec les ennemis d'Atome.
machines de ce genre ne servent qu'à nous éloigner du rayonnement sacré d'Atome. Excusez-moi, grand confesseur. C'est toujours un honneur de recevoir les favoris d'Atome. Puis-je faire quelque chose pour vous? J'aimerais aider la famille. Je peux faire quoi que ce soit? En effet. Il y a un membre de notre petite communauté que je soupçonne depuis quelque temps. L'enquête que j'ai menée à son sujet n'a rien donné. Mais, comme vous venez d'arriver ici, cela pourrait vous aider à découvrir la vérité. J'aimerais que vous enquêtiez sur cette personne. Si jamais vous découvrez la moindre preuve d'hérésie ou de déloyauté, apportez-la moi. Montrez-vous digne de confiance, et je saurai vous récompenser comme il se doit. Qu'est-ce que je dois chercher au juste? Des preuves de tout complot contre ma personne ou la famille, ou de manque de respect envers le Saint Atome. De telles transgressions ne peuvent pas être tolérées. C'est comme si c'était fait. Excellent. Apportez-moi tout ce que vous trouverez, à moi et à moi seul. Voilà la personne en question. Ne laissez rien au hasard. Rejeter les hérétiques, les imposteurs, les profanateurs. Seulement.
Si vous cherchez la crypte, vous vous trompez de chemin. C'est moi qui en ai la charge. Si vous touchez quoi que ce soit, je vous arrache la main. C'est bien compris ? Sœur Aubert, j'ai trouvé cette note que vous avez écrite au sujet du grand confesseur. Ce genre de choses pourrait vous valoir de gros ennuis. Ma note. Écoutez, j'avais perdu la raison. Le grand confesseur est un homme bon. Je vous en prie, rendez-moi ma note et je la détruirai. S'il vous plaît, faisons comme si ça ne s'était jamais produit. Je vous en prie. Quoi que je fasse, vous êtes en danger ici. Il faut que vous partiez, et tout de suite. Merde, vous avez raison. Merde. Laissez-moi juste un peu de temps avant de dire quoi que ce soit, d'accord ? S'il vous plaît. Avez-vous entendu, mon enfant ? Il semblerait que frère Devin ait eu une révélation. Les travaux de notre famille ne passent pas inaperçus. Mais vous aviez besoin de quelque chose ? Je voulais vous parler de la sœur Aubert. Oui. Dites-moi, qu'avez-vous découvert ? Qu'est-ce qu'il va lui arriver ? J'imagine que cela dépend de ce que vous avez découvert, mon enfant. Mais il faudrait être stupide pour laisser suppurer une plaie potentiellement mortelle. Allez-vous me dire ce que vous avez découvert, oui ou non ? J'ai enquêté sur la sœur Aubert, mais sa loyauté est irréprochable. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment ? Je dois dire que cela me surprend. Enfin, merci tout de même. Voilà un poids que je n'aurais plus à porter. Tenez, voici pour vous. Nous n'oublierons pas de sitôt tout ce que vous avez fait au service d'Atom. Grand confesseur. Gloire à Atom, mon enfant. Aviez-vous besoin de quelque chose ? Rien pour l'instant. Puisse Atom veiller sur vous. Oui ? Qu'y a-t-il, mon enfant ?
Vous avez encore du travail pour moi ? Pas pour le moment, non. Mais les autres enfants auront peut-être besoin de vos services. Autre chose ? Rien pour l'instant. Puisse Atome veiller sur vous.